pour marquer l'attaque d'aujourd'hui en anglais. What's a day today? Je suis super triste. Bah oui, parce qu'on est vendredi. Et comme c'est vendredi, je vais pas voir Julien et la date pendant tout le week-end. Obligé d'attendre lundi. J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. On vit tous les deux confinés, marre de la soupe du cassoulet et les patates. Hey, salut les copains, c'était la minute karaoké. On se retrouve tout de suite, à l'instant, immédiatement, pour la date. Alors, comme je te disais dans la vidéo d'hier, je vais devoir nettoyer tout le calendrier, car on a terminé tous les jours du mois d'avril. Donc, un petit coup de chiffon humide, puisque j'écris avec des crayons qui s'effacent. Hyper vitesse ! Voilà. Alors, pour écrire dessus, moi, j'utilise des crayons aquarellables, comme ça, des gros crayons Woody, qui sont connus dans le monde microcosmos de la maternelle. Donc, c'est parti, on va commencer par écrire ensemble le nouveau mois. Donc, regarde ici, janvier, février, mars, avril, c'est le mois qu'on termine. Et on va devoir écrire le mois de mai. Alors, il est facile, le mois de mai, regarde bien, il a trois lettres. Tu peux m'aider à l'écrire? Allez, la première. M, bravo. La deuxième, c'est un A. Et la troisième, un I. Je viens d'écrire le mois de mai. C'est parti, le premier jour de mai, il tombe aujourd'hui, un vendredi. Donc, je mets 1 dans la case du vendredi de la première semaine. Puis, samedi 2. Et dimanche 3. Il y a 31 jours, donc j'écris 31. Mon tableau est terminé. On peut attaquer la date. Alors, comme vous avez vu, j'ai rajouté quoi? Les petits nuages des anniversaires. Alors, ce mois-ci, nous avons le 8 mai, l'anniversaire d'Aaron, le 15 mai, l'anniversaire de Maëlys, et le 25 mai, l'anniversaire de Roman. Ils sont ici, je les embrasse bien fort, et puis je vous souhaite un bon anniversaire en avance. C'est bientôt pour toi, Aaron. Prépare-toi. On peut attaquer ensemble la date. What's a day today? Personne dans le monde ne marche les mêmes pas, et même si la terre est ronde. Hé les copains, aujourd'hui on va aller se balader dans quel pays du monde? Stop! Oh non, pas encore! Hé, c'est déjà ma pauvre Lucette! On va aller en Croatie. Et en Croatie, pour dire bonjour les copains, on va demander à Monsieur Croate. Comment tu dis bonjour, Monsieur Croate? Bok. Répète. Bok. Merci Monsieur Croatie, on te dit à très bientôt. Et nous on a du boulot, c'est l'heure de la date. On s'est quitté hier sur un jeudi 30 avril. Découvrons ensemble la surprise qui se cache derrière. Tu comptes avec moi? 1, 2, 3. Alors? Des nouveautés dans cette date. On recommence les nombres et la frise au début, puisqu'on attaque un nouveau mois, le mois de mai. Le vendredi 1er mai, vous savez ce qu'on fait en plus? On va cueillir quand on en a dans son jardin un petit brin de muguet, et puis on va l'offrir aux gens qu'on aime. Alors, cueillez un petit brin de muguet virtuel, et puis... jetez-le à tous les gens que vous aimez de toute la planète. Avant d'attaquer vendredi, collons ensemble le jeudi 30 mai pour terminer la frise des jours du mois d'avril. Et juste après, le mercredi 29, je colle le jeudi 30 avril. Et j'en profite pour retirer toute cette bande que je vais coller dans la classe. Au revoir le mois d'avril. Allez, viens chercher avec moi le jour de la semaine qui commence par la lettre V. Vendredi, on la cherche ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Très bien, c'est le cinquième jour de la semaine. On vérifie et on colle. Ensuite, qu'est-ce que tu vois écrit en rouge? Très bien, il est facile, on le connaît tous celui-ci. C'est le nombre 1. Je vais le chercher, il est tout là-haut dans le tableau, puisqu'on recommence la frise au tout début. Et enfin, le nouveau mois, trois lettres seulement pour une seule syllabe, mai, M-A-I. Tu cherches avec moi? Janvier, février,
mars, avril, mai. Qu'est-ce qu'on met juste après ? L'année parfaite, je vois que tu suis bien, 2020. On va lire ensemble la date. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 1er mai 2020. Tu peux dire aussi vendredi 1 mai 2020. Alors aujourd'hui, tu viens de voir qu'on était vendredi. Vendredi, c'est le cinquième jour de la semaine. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Il est là. Juste en dessous vient le jour qu'on appelle demain. Demain, c'est le jour qui vient juste en dessous. Après vendredi, tu as samedi. Parfait. Et hier, c'est-à-dire juste avant vendredi, nous avons jeudi. Bravo. On s'occupe de notre petit calendrier. Alors, j'ai rien du tout à barrer, puisque on a effacé tout le mois précédent. Il aurait fallu que je barre le dernier jour. Là, on a juste à placer la nouvelle fenêtre sur le premier jour du mois. On va faire de l'écriture. Alors, vendredi, c'est un des jours de la semaine qui possède le plus nombre... C'est parti pour l'écriture. C'est parti pour l'écriture. Alors, vendredi, c'est un des jours de la semaine qui possède le plus grand nombre de lettres. On y va ensemble. V. E. N. Je viens d'écrire la syllabe vent. Qu'est-ce que j'écris après? Dre, très bien. Pour écrire dre, il me faut un D, un R et un E. Et la dernière syllabe, vent, dre, dit. Parfait. Un D suivi d'un I. Je viens d'écrire vent, dre, dit. Un espace et j'écris le nombre 1. Le nombre 1 s'écrit avec le chiffre 1. Un petit espace, et j'écris le mois de mai. Le mois de mai, c'est un nouveau mois. Il est rapide, il n'a que 3 lettres. Je commence par le M. Un trait qui descend, je remonte là-haut pour faire mon trait penché, mon deuxième trait penché qui monte, et un autre trait debout. Pour faire le A, moi je le commence en bas. D'autres maîtres et maîtresses le commencent en haut. C'est comme tu le souhaites, du moment qu'il est bien pointu, et n'oublie pas la barre du milieu. Et le I pour le mois de mai. Figure-toi que la lettre A et la lettre I, quand elles se rencontrent, elles ne font plus du tout le son A et I, elles forment le son E. C'est pour ça que tu as le mois de mai. Alors, maintenant, en attaché. En attaché, tu vas avoir un V. C'est une vague, suivie d'une petite cuvette, et du E. Un N. Je m'arrête, puisqu'il y a une lettre ronde. Un petit point pour le démarrage, je vais m'accrocher. Pour faire un D, un R et un E. Je me lève mon feutre pour refaire la syllabe dit de la fin du mot. Un D et un I. Le nombre 1 et le mois de mai. Un pont, deux ponts, trois ponts, une canne, puis un A qui s'accroche et enfin, le I pour terminer. Je viens d'écrire vendredi 1 mai ou vendredi 1er mai. Il me reste à vous faire un gros bisou et à vous dire peut-être à lundi parce que demain, c'est le week-end et le week-end, on fait la pause et la grasse mat. Ciao, ciao, bye bye.